Si vous vivez aux États-Unis, vous avez besoin d'acheter enduit, crémas cocoye, crémas grenadia, gelé guayave, confiture chade, confiture ananas, tablette noire, noix, épices, jonjon, pain patate, coquillol, relé dans numéro ça 845 538 58 31. Bonsoir tout le monde, comment nous est jodi à la madame Angèle retourné dans la cuisine encore avec yon lot manger pour nous. Manger que nous pour préparer jodi a comme nous déjà wè dans titre là, moi pour faire yon rouleau pomme de terre à la viande hachée. L'aime dit rouleau pomme de terre à la viande hachée, ça veut dire moi pour faire moi pour rouler viande moulée en dedans pomme de terre. OK? Eh bien, pour nous capables de faire rouleau de pommes de terre là, viens voir qui ça n'a bien besoin pour rouleau noir. J'en ai regardé là, nous aimons viande moulée. Hein? Moi, comme d'habitude, pour les gens qui nous voient sur Chanel là, qui pas te connaît, madame Angeline toujours lave viande moulée. Depuis m'acheter viande moulée en tout préparé, moi toujours lave viande là. Comment? Moi mettre citron, moi puiser de l'eau citron dans la viande moulée. Hein? Moi quitter le fond ti reposer en 5 à 10 minutes après ça moi vider de l'eau sous lit et puis moi couler dans passoir pour toute l'eau sans sortir là-dedans moi fin laver viande moulin là moi bien épicer et viande ça c'est 2 livres viande moulin et puis n'a regarder là nous aime gagner 5 gros pommes de terre et gagner demi poivron vert demi poivron rouge demi oignon. Et puis là moi gagne poudre d'ail, moi gagne petit sel, moi gagne poivre noir, moi gagne poudre paprika, moi gagne l'huile d'olive. Ça c'est poudre oignon et puis ça c'est cayenne pepper. Tout ces épices nous est devant là yo qui dans petit bol petit yo qui ça pour me faire. C'est pour me capable épicer pomme de terre là. Et puis m'a besoin deux œufs pour me capable mettre dans pomme de terre là. Eh bien, suivant ça m'a même pour nous voir qui gens moi pour faire toute préparation ça. D'abord qui ça m'va faire là, moi pour caler pomme de terre là. Pomme de terre était déjà lavé déjà, nous voyons. OK, pomme de terre fin calé, qu'on a moi pour utiliser râpe ça pour me capable râper pomme de terre là. Pomme de terre fin râpé, qu'on a qui ça m'a fait m'a pesé pomme de terre pour me retirer jus à la dedans pour me retirer amidon. OK, moi fin retirer amidon dans pomme de terre, nous ouais, il bien sec là. Quand y a moi gagne un morceau fromage tête de mort, m'a rager mettre là-dedans. Si vous voulez, vous capable mettre fromage cheddar ou bien parmesan là-dedans tout. Même pire mais goût fromage tête de mort à là-dedans, c'est ça que fait. Moi mettre fromage tête de mort. Quand y a m'a pas ajouter tout petit épice nous té ouais yo. Dans pomme de terre, mettez l'ail là. On mettez paprika, cayenne pepper, un petit poivre là, sel et puis poudre d'oignon. On mettez ça. Ensuite, on fait le mélange là. Pour fromage tête de mort, mon site peut-être qui peut joindre ni acheter, li marqué Gouda cheese. Fromage tête de mort marqué Gouda cheese. Et puis viande moulée, c'est viande bœuf lié. OK, me fin bien fait mélange non. Moi déjà mettre four préchauffé là, four chauffé à 250 et puis moi va mettre pomme de terre en bas pour 20 minutes. Moi gen plateau là, moi déjà mettez papier de cuisson là-dedans
Et puis, je vais étaler les pommes de terre là-dedans pour les mettre en bas de four. Si vous n'avez pas un plateau comme ça, vous pouvez mettre dans un plateau aluminium. Yo, ou du moins, vous pouvez capable mettre dans un purex. Je vais bien étaler. Pommes de terre fin étalé là, qu'on y a, four déjà fin chauffé. Moi pour le mettre là-bas four, j'en ouvre là sans couvrir pour 20 minutes. Moi chauffe four 250 pour 20 minutes. Qu'on y a pendant pommes de terre en bas four là, il presque gain 20 minutes. Moi pour le préparer face pour mettre en dedans pommes de terre. D'abord, moi mettez-y l'huile d'olive là. Dans l'huile ça, je vais mettre un petit l'ail haché là-dedans. Dans l'ail là, je vais mettre des oignons là-dedans. Je vais mettre des poivrons. On va ajouter bien le moulin à la dedans. Là, j'ai la cuite là. On va ajouter un petit sauce de tomate là dedans. Nous allons même. Sauce de tomate, c'est pas ketchup. C'est pour capable de faire une belle couleur qui fait nous ajouter sauce de tomate là. Mais si vous voulez, capable de mettre pas de tomate pour nous. Ok, j'en ai gardé là, pomme de terre fin prêt là pour recevoir viande moulée. Hein? Mais viande là qui fin paré tout. Mais on a m'a déposé. Viande moulin, ma prai étale viande moulin sur toute pomme de terre. Fin étale viande moulin sur pomme de terre là, qu'on y a moins poil rouler pomme de terre là avec viande. On va papier avec les consacres. Ok. Pomme de terre fin roulé là. On y a là. Moi j'ai un petit poivron, un petit reste poivron rouge, poivron vert. Moi mette soudé juste pour une décoration. Ensuite, m'a mettre un petit fromage cheddar soudé. OK, ouais, mais fromage cheddar là. Et puis, je vais tourner là bas four encore pour 10 minutes. 10 minutes seulement, je vais tourner en bas four encore. A few minutes later. Ok, j'en ai regardé là, rouleau pomme de terre là, fin préparé, monsieur, dame. Nous voyons comment rouleau a bien belle, paraît bien jaune. Et puis, pomme de terre là, bien cuite, bien jaunie. Nous voyons. Et puis viande moulée, j'en étais capable de constater, moi j'ai fait une cuite li dans prélon avant moi mettais li en dedans pomme de terre là pour moi capable rouler. Moi pral couper li pour nous capable voir comment rouleau a sorti. Nous voilà. Mais comment en dedans li? Nous voyons comment face là y est en dedans pomme de terre là. Nous voyons comment pomme de terre a roulé et puis face là en dedans. Yo mange comme ça. Même si mari ou mange en pile, madame ou mange en pile, monsieur dame nous gagnons mais nous pour week-end là ou du moins là nous offre notre travail nous by mari nous by madame nous surprise by famille nous surprise parce que peut-être gagne monde qui pas
connaît comment pour yo faire un rouleau de pommes de terre avec viande moulée en dedans. Nous connaît madame Angeline a toujours porté nouveauté pour nous dans la cuisine. OK? Merci à tout le monde qui t'a observé comment moi t'a préparé rouleau de pommes de terre là. Ou même qui a regardé qui pour abonner à la chaîne là, fais ça connait pendant ou regardé à tout abonner et puis toujours songer cliquer sur petite cloche notification pour chaque vidéo moi mettez. Et puis YouTube a voyé notification ba ou avec ça ou pas rater en rien. Et ou même qui déjà abonné, si ou pas activé petite cloche notification, tout fait ça qu'on y a à l'activer li et puis l'aime di activer ya, c'est cliquer sous li et puis ti ou du moins Canada dans zone côté pays côté ou parle français yo et ou ap mettel sous tout, si ou États-Unis ou ap mettel sous all. OK, merci à tout le monde. Yon l'autre vidéo encore, c'est pour yon l'autre jour dans semaine là et puis bye tout le monde.